Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs congolais, chers amis du Congo, même les ennemis du Congo, partout où vous êtes, je vous salue. Je suis encore de retour avec un petit sujet qui a été inspiré par une causerie, une sorte de discussion que j'avais avec un groupe d'amis dernièrement. Suite aux événements qui se sont rapidement succédés au Congo, alors on a été poussé à raisonner, à se poser des questions si la stabilité serait de retour au pays pour beaucoup de temps. On a vu notamment la victoire de l'armée congolaise sur la M23. On a vu la signature à Kenya, Nairobi, entre l'M23 et le gouvernement congolais, donc jurant de cesser les hostilités et de trouver des voies et moyens pour qu'il y ait paix au Congo. On a vu des groupes qui ont essayé un peu de défrayer la chronique au Congo en attaquant donc la RTNC et d'autres points stratégiques du Congo. Et ces gens-là se sont autoproclamés comme les adeptes d'un certain monsieur appelé Mkongobile. Il y a aussi eu la mort du colonel Mamadou Ndala. Et tout cela a créé un environnement qui nous a poussé un peu à raisonner. Alors, concernant la paix au Congo, je pense que on a essayé un peu de raisonner. Et mon point de vue a été et est toujours le même. Nous ne devons pas nous leurrer, chers frères et sœurs congolais, que la paix retournerait au Congo bientôt. Pourquoi? Parce que les loups sont toujours là. Ils sont en train de piller, si pas de près, même de loin. Comment entrer encore au Congo, rentrer pour agir encore d'une manière néfaste. Si l'une de leurs stratégies a été mise à jour, contournée, bloquée, alors ils ne sont pas dupes et ils vont toujours créer d'autres chemins pour chercher à accomplir leur dessein. Et le plus grand dessein, c'est-à-dire le plus grand plan qui fera, c'est que le Congo connaîtra toujours des attaques. C'est ce qui se fait en Ouganda et au Rwanda, c'est-à-dire ce sont deux pays qui sont toujours en train de mijoter des plans néfastes contre la République démocratique du Congo. Et au premier plan, on a le Rwanda. Et ce n'est pas un secret. Comme j'expliquais à mes amis, il y a un projet au Rwanda qu'on appelle Vision Rwanda 2020. C'est-à-dire le gouvernement de Kagame en place a déjà projeté de transformer le Rwanda en un pays puissant, un pays économiquement fort. Donc, la date limite, c'est l'année 2020. Et vu donc la situation
économique de ce pays, c'est-à-dire du Rwanda, il est vraiment difficile que ce projet soit bien mené jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est d'abord un pays pauvre. Et quand on projette de faire de ce pays-là un pays puissant, un pays économiquement stable, c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens. Et les moyens, il faut les trouver où? En tant que pays mendiant, c'est-à-dire les moyens viendront d'ailleurs. Mais dans le contexte actuel, c'est-à-dire le jeu national, c'est-à-dire du Rwanda international, donc le jeu qui est en train de se jouer, donc on verra que on est en train de viser toujours le Congo. Pourquoi? Avec ce projet pharaonique, on ne va pas nous faire croire que le Rwanda trouvera ses fonds ailleurs pour construire le Rwanda. Ça, c'est faux. Tout viendra toujours du Congo. C'est pourquoi vous verrez que nous demandons au gouvernement congolais d'être toujours aux aguets. Le M23 ont été battus dernièrement, mais à la lumière des recherches, vous verrez que la guerre n'est pas encore finie. L'armée congolaise a gagné une bataille, mais la guerre est toujours là. Pourquoi, comme je le disais, la vision de Kagame est de construire un Rwanda fort. C'est-à-dire en cherchant des moyens, et bien qu'il est dans une sorte d'alliance sacrée avec certains pays occidentaux et certains groupes, donc des lobbyistes qui sont là à son chevet pour l'aider à accomplir son rêve, vous verrez que l'aide primordial ne viendra pas des pays puissants. Donc, si nous voulons parler de l'aide ici, nous entendons, c'est-à-dire l'aide liquide. Et vous verrez que s'il faut lui donner des choses, les pays qui le soutiennent, c'est-à-dire les puissances qui soutiennent le Rwanda de Kagame, financeront pas plus de 20%. Alors, les 80% restants viendront toujours du Congo. Alors vous comprendrez que c'est pour cela, au lieu de lui donner des fonds dont il a besoin, il lui donne des moyens d'envahir le Congo pour se servir et servir aussi ses maîtres. Mais c'est pour cela, le Congo continuera toujours à faire attention. Parce que selon l'idéologie de Kagame, bon, je pense que c'est un homme qui est connu, il est toujours déterminé dans ses actes. C'est-à-dire les actes de pillage, viol, tuerie au Congo. Cela ne peut pas finir. Pourquoi? L'homme avait déjà imaginé son plan de faire du Rwanda un pays économiquement fort, un pays militairement fort, c'est-à-dire au-delà de l'année 2020. Et vu les déboires qu'ont connus les M23, c'est-à-dire le groupe armé qu'il était en train d'entretenir pour l'aider à se stabiliser un peu économiquement, c'est-à-dire en pillant les richesses du Congo, vu l'échec qu'a connu ce groupe-là, le dictateur du Rwanda ne peut pas dormir. Il va encore chercher des moyens pour accomplir son dessein. Et vous verrez que, bien que le programme nous dit que son deuxième mandat, c'est-à-dire finira en 2017, mais l'homme sera toujours là. Pourquoi? À la lumière de ce qui est en train de se passer dans son propre pays. Vous voyez, l'homme a réussi à museler l'opposition civile
De toutes les manières. Donc, vous avez vu dernièrement, on avait mis en place le Parlement, dont la majeure partie était composée de femmes. Et quand vous faites des analyses, des recherches, vous verrez que ces femmes-là ne sont que donc des femmes qui ne sont pas des politiciennes aguerries. Et en les plaçant là-bas, ce n'est pas par souci, hein, donc d'équilibre de sexe, bien d'équilibre de genre, comme le gouvernement rwandais est en train de donc de chanter cela. Non, c'est seulement une façon de mettre en place des gens qu'on peut manipuler facilement. Et on manipule facilement les femmes. C'est ça la politique du dictateur du Rwanda, c'est-à-dire mettre les femmes donc en première position pour faire croire au monde qu'il y a l'égalité de sexe, tout ça. Mais le dessein caché, c'est de mettre en place des pions malléables, manipulables, qui ne seront pas là pour résister au dessein néfaste du dictateur. Et avec la mise en place de ces femmes-là, si vous suivez les informations, la constitution rwandaise va être falsifiée bientôt pour permettre donc à Kagame de briguer donc des mandats infiniment là-bas, c'est-à-dire de rester à la présidence du Rwanda à vie. Et aussi longtemps que l'homme serait à la tête du Rwanda, le Congo ne sera jamais en paix. Et c'est pour cela, nous demandons aux Congolais, politiciens, civils, religieux, militaires, de ne pas se laisser entraîner dans des pièges ou bien dans des histoires mensongères, hein, qui nous feront croire que maintenant on sera en paix. La paix au Congo ne retournera que quand le gouvernement congolais en première position se prendra en charge. C'est-à-dire, il faut mettre en place des structures pour défendre la République démocratique du Congo contre l'invasion, d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire, il faut tout faire, investir pour créer, donc restructurer l'armée congolaise, que ce soit une armée forte. C'est ce que nous pouvons demander. Parce que si vous regardez très bien, l'ennemi est toujours là, comme je l'ai dit. Et quand il voit que un plan qu'il avait est connu de tous, le plan est contourné, l'ennemi revient toujours. Et quand vous suivez maintenant sur donc les sites d'échange, vous verrez qu'il y a maintenant il y a un feu, donc une flamme qu'on a allumée au Rwanda dernièrement. Donc, c'est pour encore ressasser la même histoire. Le génocide des Tutsis, le génocide des Tutsis. Ils ont déjà commencé à chanter ça. Alors, comprenez que tout ça, c'est quoi? C'est le fonds de commerce pour déjà attirer l'attention des donneurs qui viendront leur prêter main forte et chercher encore des voies et moyens pour rentrer au Congo démocratique. Et avec tout ça, on voit que le problème, le Congo n'est pas encore à l'abri. Mais on sera à l'abri si nous prenons conscience, nous Congolais. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ne pas nous laisser tromper par des discours de l'Ouganda, ni même du Rwanda. Nous devons être prêts chaque jour à chasser l'ennemi de notre territoire.
Parce que si vous regardez très bien, l'ennemi revient toujours avec son discours. Ah, du génocide. Mais la plus grande science, c'est que parmi les scientifiques aussi, si vous suivez, il y a maintenant beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de professeurs, des grandes institutions de recherche qui commencent maintenant à donc repenser l'histoire du Rwanda, surtout l'histoire du génocide. Pour ne pas citer tout le monde, je peux vous donner seulement l'exemple d'un certain chercheur nord-américain qui s'appelle Christian Davenport. Si vous suivez, il y a maintenant trop de discussions parmi les scientifiques concernant le génocide du Rwanda. Il y a maintenant des réalités, des vérités qui étaient cachées, ou bien que certaines personnes animées de mauvaise volonté donc voulaient cacher pour n'exposer donc qu'un pan de l'histoire afin donc d'accomplir leur dessein néfaste contre la République démocratique du Congo et le peuple Hutu en général. Donc vous verrez que tous ces plans là-bas sont maintenant sur la table. On est en train de les revoir. Il y a une remise en question de l'histoire du génocide du Rwanda. Et selon le chercheur Christian Davenport, si vous suivez, allez même sur YouTube, tapez Rethinking Rwanda 1994, hein, c'est-à-dire repenser le Rwanda. Donc, en ce qui concerne ce qui est arrivé au Rwanda dans les années, donc en 1994. Donc, Christian Davenport a démontré clairement, noir sur blanc, que c'est vrai, il y avait des massacres au Rwanda, mais ces massacres-là ne pouvaient pas seulement être imputés à un groupe. Ces massacres étaient imputés à deux groupes, c'est-à-dire et les Hutus et les Tutsis. Tout le monde est responsable de ce qui est arrivé au Rwanda, ce qu'on a appelé le génocide. Et en faisant ces calculs, en interviewant beaucoup de personnes sur beaucoup de provinces, dans beaucoup de provinces au Rwanda, je veux dire, Christian Davenport est parvenu à la conclusion que si on dit que le total de tous ceux qui étaient tués, c'est 800 000, mais il y avait plus d'un million de Hutus tués. Alors, cela nous montre scientifiquement, clairement d'ailleurs, que le nombre des gens qui ont été tués, le nombre le plus élevé, ce n'est pas le nombre des Tutsis, c'est le nombre des Hutus. Mais seulement, la machine qui est en train de soutenir le pouvoir fantoche, néfaste, qui est au Rwanda, c'est-à-dire le pouvoir de Kagame, est en train de bloquer toute source de recherche et toute voix qui veut s'élever pour leur prouver le contraire. C'est-à-dire à beaucoup d'échelons, si vous regardez au niveau du Rwanda, là, n'en parlons même pas. Ceux qui veulent dire le contraire à Kagame sont automatiquement emprisonnés, traînés donc dans des coins noirs, liquidés et ils en passent. Même au niveau international, Kagame a eu des alliés, même parmi les présidents des pays les plus puissants, les premiers ministres des organisations donc internationales ont soutenu la cause. Ils voulaient perpétuer donc cette cause pour la faire bouffer aux gens du monde, afin que nous puissions croire, nous tous, que le monde entier puisse croire que c'était la thèse qui devait marcher. Alors qu'aujourd'hui, comme on dit, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Les gens commencent à comprendre petit à petit. Alors vous verrez que il est maintenant difficile de continuer la philosophie du mensonge. Christian Davenport a prouvé noir sur blanc que même parmi les cadavres qui ont été trouvés au Rwanda,
Il était vraiment difficile de définir que celui-ci est Hutu, celui-là est Tutsi. Alors c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des mariages mixtes, parce qu'il y a des gens qu'on a tués, d'autres n'avaient pas de pièces d'identité sur eux. Alors, comment, donc, certaines sources politiques ou bien scientifiques devaient conclure automatiquement que le nombre, donc un nombre tel, des gens qui ont été tués pendant le génocide, c'est les Tutsis ou bien les Hutus. Non. C'est vraiment difficile de le dire. Mais ce qui est vrai, avec le recensement qu'on a fait petit à petit, en prenant le document pour voir donc la composition démographique du Rwanda par après, on a vu que dans des quartiers qui étaient habités, donc dans des villages aussi, dans des provinces reculées, il y a eu des massacres, non pas seulement dans la zone qui était occupée, donc par des forces Hutu. Il y avait aussi des massacres dans des zones qui étaient occupées par le FPR pendant qu'il menait donc son action d'invasion et de prise de pouvoir à Kigali. Alors si on dit que ce sont les gens qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement majoritaire Hutu qui avait tué des gens, mais Christian Davenport s'est posé aussi la question de savoir, mais les massacres qui avaient lieu dans des zones occupées déjà par le FPR, qui les commettait? Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons savoir sur ce sujet. C'est pour cela que nous devons ouvrir l'œil grandement, chers frères et sœurs congolais, et surtout pensez aussi à la signature qui a eu lieu dernièrement. Moi, je me posais la question, j'ai même discuté de cela avec des amis, que pendant la signature du M23, le maître de cérémonie, c'était un autre président dictateur, criminel fantoche, Yoweri Museveni. En sa qualité, on va nous dire, le président de la CIRGL là-bas, il devait être là pour parrainer cela. Et comme nous le savons nous tous, il fait aussi partie, donc, du groupe des sorciers qui sont toujours en train de décimer donc des populations entières au Congo démocratique. Et en signant leurs histoires là-bas, quand vous regardez, il y avait d'abord tout un imbroglio là-bas. Au lieu de signer un document clair stipulant que désormais, donc, les agresseurs du Congo devaient déposer les armes et renoncer à l'attaque du Congo. Mais il y avait des termes, en tout cas, ambigus, des termes flous. Et ce qui a encore frappé dans l'attention des observateurs, c'était l'absence notoire. D'abord des représentants du gouvernement rwandais. Kagame, en tant que sponsor de M23, devait aussi être là. L'homme n'était pas là. Alors on a compris que ce qui se faisait à Kenya, à Nairobi, avait peu d'importance à ses yeux. Et cela aussi doit attirer notre attention. Nous devons faire attention vraiment. Et essayer de connaître la politique de Kagame. Donc, si vous regardez à la lumière de la politique qui est en train d'être menée au Rwanda, c'est comme s'il y a une recolonisation de l'Afrique. Bien que Kagame se frappe chaque fois la poitrine, nous les Rwandais, nous savons ce que nous sommes. Nous sommes un peuple déterminé à reconquérir notre destinée, à être des gens libres, des gens qui ne seraient plus, qui seraient, c'est-à-dire, à l'abri de tout danger. Ça, ce sont des discours politiciens. Mais si vous observez très bien, Kagame n'est pas en train de contribuer donc à la liberté, à l'indépendance de l'Afrique.
sa politique est en train de pousser l'Afrique, et spécialement le Rwanda, dans la recolonisation. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en train de se passer en Afrique centrale, avec le gouvernement de Kagame, ne vient pas, donc, de Kagame lui-même. C'est-à-dire, il y a des forces obscures, des puissances étrangères qui sont en train de mettre le gouvernement de Kagame à l'abri, donc de protéger le gouvernement de Kagame. Si vous voyez très bien, faites des recherches, remarquez qu'il y a des institutions là-bas, de pays puissants au Rwanda, des institutions militaires qui sont là, des institutions là-bas économiques qui sont là, des hommes d'affaires qui ont des comptoirs là-bas. Donc, des caméras de surveillance pour protéger son régime et déstabiliser donc les pays alentours. Et nous ne pouvons pas appeler cela donc œuvrer pour la liberté du Rwanda et de l'Afrique. Non, ça c'est ouvrir encore les portes pour appeler les colonisateurs à recoloniser le Rwanda et le reste de l'Afrique. Donc, le gouvernement de Kagame a tout fait pour étouffer la liberté des Rwandais d'abord et des peuples alentours, spécialement des Congolais. C'est-à-dire, Kagame ne veut pas nous voir, nous Congolais, libres. C'est pour cela qu'il fait toujours des incursions. Et ici, notre devoir, nous en tant que Congolais, c'est de tout faire pour, en tout cas, maintenir notre cohésion nationale. Je sais qu'on a trop de diversité au Congo, on a trop de points de vue qui sont contraires pendant des débats, mais je sais que on doit nous reconnaître quand même notre mérite, c'est les Congolais, malgré ce qui est en train d'arriver au Congo, les Congolais ou bien la majorité des Congolais restent des gens attachés à l'unité nationale. Il fallait voir ça, on a remarqué. Quand le dictateur du Rwanda, c'est-à-dire Kagame, a encore joué un tour, c'est-à-dire en postant un mensonge sur le site d'échange, donc qu'il était mort, donc tué, je ne sais pas, par son garde-corps, dans ses rêves là-bas. Vous avez tous été témoins comment la population de Goma a jubilé. Les gens vraiment étaient contents. La population qui est sortie pour fêter donc cette mort, entre guillemets, du dictateur de Kigali, ça doit en tout cas nous amener à penser encore une fois que Kagame reste le président le plus haï, d'abord au Congo et dans d'autres pays. Et s'il voulait essayer pour voir sa popularité, il l'a vu à l'envers. C'est-à-dire, il n'y a personne qui lui souhaite donc longue vie ou bien de bonnes choses. Et pourquoi? Parce que l'homme, sachant, oui, qu'il a le sang dans ses mains, que sa philosophie, qu'il ne cesse de mener depuis des décennies au Rwanda et dans des pays limitrophes, spécialement au Congo, c'est une mauvaise philosophie. Et le dictateur a atteint ce qu'on peut appeler un point de non-retour. C'est-à-dire, les Congolais doivent faire attention. Ne pas s'attendre à ce que Kagame un jour va dire non, il faut temporiser, il faut reculer. Non, il sait qu'il a déjà fait trop de mal. Alors, s'il recule, il sera poursuivi. Et il le sait très bien. Et comme tout dictateur, il est déterminé à mourir au pouvoir, puisque le pouvoir, c'est
sa sauvegarde. S'il lâche le pouvoir aujourd'hui, il devient faible et il sera traîné en justice. Alors vous allez comprendre pourquoi l'homme est en train de se battre pour falsifier tous les documents au Rwanda, donc chipoter le Parlement et toutes les institutions qui sont d'ailleurs monolithiques, donc qui n'appartiennent à sa tribu, qui n'appartiennent qu'à sa tribu. Il est en train de les chipoter pour faire croire au monde qu'il est vraiment aimé, hein, que la population rwandaise dans toute sa majorité veut à ce qu'il reste au pouvoir. Or, ça c'est faux. La réalité, c'est tout autre chose. Le Rwanda n'est pas uni derrière Kagame. La preuve, vous avez vu, on a longtemps parlé des Hutus. Oh, ils sont des génocidaires. Ce sont eux les opposants à Kagame. Vous avez vu dernièrement le pouvoir de Kigali est allé même trop loin pour liquider Patrick Karegeya, qui fut donc l'un des bâtisseurs du pouvoir en place. C'est-à-dire un combattant qui a aussi participé à faire de Kagame ce qu'il est aujourd'hui. Alors, vous comprendrez que il y a maintenant trop de divisions. Et cela est en train de faire voir à la face du monde qu'il y a trop de divisions, même au sein de l'ethnie Tutsi. Et le dictateur sait très bien qu'il est en train de s'affaiblir au jour le jour. Et en tant qu'un lion, il ne peut pas se laisser faire comme ça. Il doit toujours lutter pour se maintenir au pouvoir. Comme j'ai dit, le pouvoir, c'est ça sa seule source de sauvegarde, sa seule source, donc, de protection. Et il doit toujours rester là-bas. Et d'un côté, s'il reste là, c'est pour accomplir ses desseins néfastes. Donc, servir ceux qui soutiennent donc son fauteuil. Donc, ils vont prospérer dans leurs affaires. Et de l'autre côté, cela présage toujours des malheurs pour les gens qui sont contre lui. Donc, spécialement la République démocratique du Congo. C'est pour cela que j'ai dit, le Congo doit se doter d'une armée forte. Ne jamais croire dans des négociations, des signatures, et tout ce qu'on peut nous raconter là-bas. Trop c'est trop, on a appris des leçons. Il faut en tout cas tout faire, être vigilant, et c'est ça le rôle du gouvernement congolais. Car nous, Congolais, nous sommes déterminés. Et je pense que le devoir de tout Congolais doit être de tout faire afin de mettre Kagame hors d'état de nuire. Et c'est ça le rôle que le gouvernement congolais doit avoir. Dans le programme du gouvernement congolais, c'est de faire en sorte que le dictateur de Kigali soit mis hors jeu. C'est-à-dire être prêt à lui donner des coups au cas où il attaquait la République démocratique du Congo. Et vu ce qu'il a fait au Congo, je pense qu'un Congolais normal a le devoir aussi de poursuivre Kagame partout. C'est-à-dire Kagame et sa famille et ses proches collaborateurs pour crimes, génocide au Congo démocratique. Donc Kagame, c'est comme Hitler. Lui, sa femme, ses enfants, sa famille proche, élargie, ses collaborateurs, tous sont des nazis aux yeux des Congolais. C'est-à-dire qu'ils soient au pouvoir, qu'ils abandonnent le pouvoir. Demain, il sera toujours préjudiciable. Il est du devoir des Congolais de poursuivre ce monsieur-là, même dans la tanière où il ira se cacher. Donc, sa famille doit être considérée comme la famille d'Hitler, la famille nazie. Et
Nous demanderons aux gens de s'en charger. On est toujours là. Et comme j'ai dit, la vision Rwanda 2020 demande beaucoup de moyens. Et ces moyens là-bas, vous connaissez les Occidentaux. Ils font des beaux discours, ils promettent des dons, mais ils ne donnent jamais facilement. Et dans le jeu qui est en train de jouer contre la République démocratique du Congo, chers Congolais, ne soyons pas dupes. Les Occidentaux ne sont pas fous. Ils ne peuvent jamais rien donner à Kagame pour construire le Rwanda de la manière dont il est en train de rêver. Non. S'il y a du soutien qu'ils peuvent donner à Kagame, c'est-à-dire, prenons par exemple le total de 100% d'aide qu'on peut donner au Rwanda, on peut seulement libérer 20%. Et les 80%, ça viendra toujours des pillages des richesses du Congo. C'est pour cela, gouvernement congolais, nous te demandons d'être toujours aux aguets. La politique qu'on doit faire aujourd'hui, et je pense que si l'Union africaine est composée de têtes sages, des gens vraiment soucieux de voir la paix retourner en Afrique centrale, donc dans la région des Grands Lacs, il faut vraiment pousser le gouvernement de Kagame à s'asseoir à la table avec ses opposants, Tutsis et Hutus. Puisque maintenant, le langage d'aujourd'hui, vous allez constater qu'on ne peut plus encore dire que c'est seulement les Hutus qui sont des opposants de Kagame. Il y a aussi les Tutsis. Vu les événements qui ont eu lieu dernièrement, donc, pour ne pas encore citer la mort de Patrick Karegeya, vous avez vu que Kagame se retrouve maintenant face, non pas aux opposants Hutus seulement, mais face aux opposants Tutsis aussi, qui sont en train aussi de croître en nombre. Et le devoir des présidents africains surtout, de l'Union africaine, c'est de pousser le criminel de Kigali à s'asseoir à la table avec ses frères Tutsis et Hutus pour chercher à démocratiser le Rwanda, donc à éliminer la politique du mensonge, la politique de la haine, dans les arrestations là-bas arbitraires, le vol et des propagandes là-bas mensongères. On doit pousser ce monsieur à cesser tout ça. Comment? C'est le devoir des présidents africains de le faire. S'ils ne le font pas, alors moi, je ne vois pas la raison d'exister de l'Union africaine. Et au gouvernement congolais, donc, comme on l'a dit, nous recommandons de ne pas passer le temps. Donc, à croire dans des discours, des négociations avec l'Ouganda, le Rwanda, ça, on va passer le temps inutilement. Pendant que les sorciers, eux, sont en train de s'équiper jour et nuit et de planifier donc d'autres stratégies nouvelles pour nuire donc au bonheur du peuple congolais. Le gouvernement congolais doit s'organiser, je le reprends encore, mettre sur pied une armée forte, disciplinée, capable donc d'endiguer toute attaque, toute invasion contre la République démocratique du Congo. Et ici, il faut mettre en place au Congo rapidement des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin des hommes forts au Congo. C'est le devoir du gouvernement congolais aujourd'hui, c'est-à-dire de tout faire pour mettre en place des institutions fortes. Au lieu de passer le temps à chercher des intérêts personnels. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Mettre en place des institutions fortes au Congo, ça va aider le Congo
à redevenir un pays fort, uni et un pays qui peut espérer donc avoir un lendemain meilleur. Et la mise en place des institutions fortes, des institutions démocratiques, honnêtes, fera ce que en 2016, qui est la date où le mandat du président Kabila doit finir, on n'aura pas trop de problèmes. C'est-à-dire, tout le monde sera sérieux en 2016, Kabila saura très bien, comme il le sait aujourd'hui, ce sera la fin de son mandat. Et la mise en place des institutions fortes fera ce qu'il va commencer à se préparer aujourd'hui, non pas à falsifier la constitution du Congo pour donc rester au pouvoir, mais se prendre en charge déjà et chercher un successeur. Donc, préparer dans la majorité présidentielle et les gens qui lui sont favorables, quelqu'un qui lui succédera aux élections futures. C'est ça le devoir que le gouvernement congolais doit se mettre en tête aujourd'hui. Je pense que si le président Kabila fait cela aujourd'hui, il sortira la tête haute et il gagnera en respect quelque part. C'est-à-dire le peuple congolais lui reconnaîtra même une toute petite. Hein, donc, on aura quand même une petite reconnaissance si cet acte est vraiment posé. Et vous verrez que la résistance extérieure, même intérieure du Congo, va essayer un peu de s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà un canal qui va nous permettre de passer à autre chose. Et cela va sauver le Congo. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'Ouganda et le Rwanda sont des ennemis éternels du Congo. C'est-à-dire l'Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame sont des ennemis éternels du Congo. Nous ne devons pas donc leur donner la chance de frapper, donc en créant donc une distraction au Congo au moment des élections, dont le président Kabila ne veut pas partir. Ça va affaiblir la République démocratique du Congo et donner la force, et on sera même surpris un matin qu'on sera frappé durement par les loups qui sont en train de nous observer. Et comme je l'ai dit, si le gouvernement congolais en place est responsable, si ce gouvernement-là aime le Congo, ils doivent déjà commencer à faire le ménage dans leur club, faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion. La Constitution doit être respectée. En 2016, qui est déjà un remplaçant du gouvernement Kabila, donc du président Kabila, qui va briguer donc le mandat aux élections présidentielles. Et comme je l'ai dit, il y a eu des événements qui se sont vraiment enchaînés. Entre autres, donc il y a eu des gens qui se sont proclamés donc comme adeptes d'un certain pasteur congobilais. Alors, ça nous a aussi amené à nous poser des questions. Et je pense que le Congo, le gouvernement en place, doit déjà savoir comment répondre donc aux attentes et aux aspirations du peuple congolais. Donc, il y a un, ça ne va pas. Et la question qu'on s'est posée, c'est de savoir, est-ce que ces gens-là sont manipulés? Si oui, par qui? Et qui peut les manipuler? C'est ça la question. Donc, le gouvernement congolais doit déjà mener des enquêtes et chercher à se positionner convenablement pour ne pas donner la chance aux gens animés de mauvaises intentions de déstabiliser le Congo davantage.
Et cela n'aura lieu que si le gouvernement en place joue le jeu de la sagesse, c'est-à-dire agir démocratiquement, laisser le peuple décider au lieu de chercher à imposer sa volonté à la population. Si ces gens-là, c'est-à-dire les adeptes de Mkongobele, sont manipulés par des gens, c'est le rôle du gouvernement congolais de chercher ces gens-là, les manipulateurs, et de savoir la raison fondamentale qui fait à ce que les gens sont manipulés. Et écouter la voix du peuple, chercher à remédier, à changer ce qui ne va pas, et cela fera ce que le gouvernement congolais sortira la tête haute de toutes ces crises. Au sein de l'armée aussi, en tout cas, nous doutons vraiment qu'il y ait unité. La preuve en est que le colonel Mamadou a été tué dernièrement dans une embuscade. Et chose grave, on a vu le porte-parole du gouvernement congolais, donc M. Lambert Mende, annoncer rapidement là-bas qu'il avait été tué, donc le colonel Mamadou Ndala avait été tué par une roquette lancée par les combattants de l'ADF Nalu, c'est-à-dire des rebelles ougandais. Mais à la lumière des enquêtes et de la réalité du terrain, on a vu que la zone dans laquelle le colonel Mamadou avait été liquidé était et est encore sous le contrôle des forces armées congolaises. Alors cela nous amène à nous poser trop de questions. Est-ce que Lambert Mende était bien informé quand il a fait cette déclaration, ou bien il l'a faite seulement du coup comme ça, sans raisonner? Et cela entache le sérieux et le respect du gouvernement congolais déjà. Mamadou a été tué dans une zone contrôlée par les forces armées congolaises. Et cela nous montre qu'il y a déjà des dissensions au niveau des forces armées congolaises. Ça montre clairement que les forces armées congolaises ne sont pas unanimes dans leur façon d'opérer et ne sont pas tous soudés pour chercher, en tout cas, à sauvegarder le territoire congolais. Et s'il y a des dissensions, c'est au gouvernement congolais de chercher à remédier à ces dissensions-là, de chercher à amener devant la justice, donc, tous ceux qui seront trouvés comme étant impliqués dans la mort du colonel Mamadou. Mais malheureusement, quand on discute avec d'autres frères congolais, il y a toujours un pessimisme. On ne pense pas que les enquêtes vont aboutir. Pourquoi ça ne sera pas donc les premières enquêtes? Parce qu'il y a eu d'autres enquêtes qui ont été menées et qu'on continue toujours à mener jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas citer donc les enquêtes concernant les gens qui étaient impliqués dans la mort, donc des combattants des droits de l'homme, Floribert Chebeya, ça n'a mené nulle part. Les enquêtes qu'on continue toujours à mener pour trouver les gens donc, qui étaient à la base de la mort de feu président Laurent Désiré Kabila sont restés caduques jusqu'à aujourd'hui. Alors vous verrez que il y a une sorte de désespoir du côté de la majorité de la population congolaise. Dans le gouvernement congolais
doit aussi faire attention et répondre aux aspirations du peuple congolais. Sinon, cela va créer encore d'autres problèmes qui viendront encore s'ajouter aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Toujours dans la série des œuvres inachevées du gouvernement congolais, il y a eu des consultations donc, du gouvernement congolais avec les Congolais de la diaspora. On avait vu des gens venir des quatre coins du monde, débarquer à Kinshasa, s'enfermer dans des locaux là-bas, discuter, écrire, établir des plans là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous essayez en tout cas de voir, il n'y a pas de suivi. Toutes ces histoires là-bas sont restées caduques. Et cela continue à faire perdre donc le gouvernement congolais en crédibilité. Et on a discuté encore avec des amis concernant les combattants de l'Occident qui empêchent aux musiciens d'aller chanter et tout ça. Et c'est un combat juste, un combat valable. Et en quoi ça va aider à restaurer la paix, la démocratie au Congo? Bon, chacun a son point de vue là-bas. Moi, je peux seulement dire que empêcher à Gilles Mpiana d'aller se produire au Zénith, selon moi, je pense que ça n'a pas d'impact sur donc, la politique qui est en train de faire au Congo. Ça ne poussera pas le gouvernement congolais à changer de stratégie, de trajectoire, c'est-à-dire pour faire ce que les combattants veulent. Non. Par contre, moi, je peux appeler ça. Ça, c'est un problème qui n'est même pas totalement un problème congolo-congolais. C'est un problème entre quinois. Si vous remarquez ça, le problème de musique, quand vous sondez la population congolaise sur terrain, descendez dans des provinces, vous verrez que c'est un problème qui est parfois inconnu des Congolais des provinces. C'est un problème, s'il est connu, qui n'a pas de priorité dans la vie des Congolais. Les Congolais des provinces, les Congolais de tous les jours, l'homme de la rue. Donc, les Congolais dont je viens de citer ont l'espoir de voir la diaspora congolaise résonner d'abord, être unanime, cesser des divisions, parce que la diaspora congolaise, si vous regardez aussi, il y a trop de divisions, et cela donne encore de la force au gouvernement de Kabila en place. Donc, il faut qu'il y ait unité dans la diaspora entre les opposants et il faut qu'il y ait un plan sur la table. Un plan dans lequel le peuple congolais va se retrouver. Ce n'est pas seulement le fait de crier que Kabila dégage, qu'il va dégager. On n'a pas de garantie qu'il va dégager. Il faut mettre en place des structures qui feront ce que Kabila va dégager. Non pas seulement en parole, mais en acte. Et c'est le devoir que nous devons nous donner, nous Congolais de la diaspora. C'est-à-dire chercher à créer des lobbies. D'abord, entre nous Congolais, et chercher des partenaires pour que la voix de l'opposition se fasse entendre. Parce que si nous comptons sur les opposants politiques sur terrain au Congo, nous n'allons aboutir nulle part. Regardez ce qui est déjà vieux. Sa politique est déjà faible. Ce qui est dit, à vrai dire, n'inquiète pas Joseph Kabila. Vital Kamerhe tergiverse aussi. On ne sait pas sa position. Est-il de gauche, de droite, centre, extrême gauche, extrême droite, c'est difficile à dire. Et beaucoup de politiciens, si vous suivez même les déclarations qui viennent, qui nous parviennent du Congo, beaucoup de soi-disant opposants font la grande gueule alors qu'ils reçoivent, qu'ils sont en train de recevoir l'argent qui vient du gouvernement congolais.
Alors, vous comprenez que le Congo a beaucoup de choses à faire. Et c'est le peu que j'avais à partager avec vous, chers frères congolais, amis du Congo et même les ennemis. Le Congo est appelé à vivre. Le Congo est appelé à continuer à exister. Qu'on le veuille ou pas, les Congolais ne sont pas prêts à lâcher le Congo. Alors, gare aux ennemis du Congo, spécialement aux dictateurs du Rwanda et de l'Ouganda. Et c'est le devoir du gouvernement congolais de mettre en place donc des stratégies pour la protection du peuple congolais et l'implantation donc des institutions démocratiques. Si vraiment on aime les Congolais, si vraiment le gouvernement est là-bas pour servir les Congolais, en tout cas, prouvez-nous en devenant démocrate. Si le temps est venu de passer, acceptez de passer. Ne collez pas au pouvoir au risque de créer encore des problèmes entre Congolais qui fera ce que la République démocratique du Congo serait très faible et cela va donner de la force à l'ennemi du Congo qui est en train de guetter. C'est ce que j'avais au cœur et je remercie les amis avec lesquels j'ai discuté de cela, qui nous ont des amis qui m'ont donné des idées. En tout cas, on est là. Notre devise est ne jamais trahir le Congo. Pour le Congo, soyons prêts à nous battre de toutes les manières. Merci. Très bien.